Flamme du soleil inondant les plazas. Flamme au cœur de la foule affamée d'émotions. Flamme sur les habits scintillants des picadors et des matadors. Le taureau bondit, hors du sombre toril. Aveuglé de lumière, il cherche, en clignant ses lourdes paupières, ses ennemis, les hommes. Et les picadors vont trouer sa peau de leur pique, et les banderilles lui pendront au garrot, harpons cruels travestis sous leur papier coloré en accessoires de cotillon. Mais le vrai, le grand combat, c'est avec un autre homme qu'il va le livrer. Un homme qui s'appelle tour à tour Belmonte, Manolete, Ordóñez, Dominguín, El Cordobés. Et si le taureau ne sait pas qu'il ne peut que mourir, le matador sait bien qu'il risque de mourir. Tous, ils ont envie de crier à la foule sur les gradins, « Prie, prie pour moi comme j'ai prié tout à l'heure. Prie ou tu porteras mon deuil. » Oui, tous, ils ont envie de crier cela. Tous, sauf un. Un torero désespéré d'amour qui fit un jour une incroyable prière.